wiederkommt. Le maître revient. Der Herr kommt wieder. Il revient nous chercher. Er kommt, um uns zu holen. Wow, vraiment une soif en Allemagne. Ihr habt Durst hier in Deutschland. C'est beau de voir ce que Dieu accomplit. Es ist schön zu sehen, was der Herr vollbringt. Nous sommes allés en mission à Libreville au Gabon. Wir waren in Libreville in Gabon. Il y a eu en 8 jours 422 baptêmes. 420 Les gens se disaient, on veut ce Jésus, on veut ce Jésus. Die Leute wollten diesen Jesus. Wir wollen diesen Jesus. Magnifique. Wundervoll. Une jeune fille est venue, elle a dit, moi je sortais avec tous les soirs, j'allais sous l'eau avec la sirène des eaux et je ne veux plus sortir avec elle. Ein junges Mädchen kam und sagte und bekannte, dass sie jeden Abend ins Wasser rausging mit einer Meeresjungfrau. Il se passe des choses terribles ici et là. Und sie wollte das nicht mehr. Es passieren wundervolle Dinge. Wow. Notre banquier nous a viré. Le banquier de TV de vie nous a demandé de partir. La banque nous a mis dehors. Und unsere Bank hat uns rausgeschmissen von TV de vie. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Denn sie wissen nicht, was da los ist. Il se passe des choses qui nous choquent. Wir sind schockiert von den Dingen, die passieren. On a deux mois pour trouver une banque. Wir haben jetzt zwei Monate Zeit, um eine neue Bank zu finden. Et des miracles en cascade. Es gibt wunderbare, es ist ein Wasserfall von Wundern. Le week-end dernier, nous étions, Letztes Wochenende waren wir in, en Suisse. In Basel. Il y a une femme suisse qui est venue nous voir pour aller prier pour son mari qui était hospitalisé. Eine Schweizerin kam und wollte, dass wir für ihren Mann beten, der im Krankenhaus liegt. Son foie était affecté. Seine Leber war geschädigt. Son organe, donc les intestins, on devait lui faire une opération et changer ses intestins. Und man sollte ihn operieren und seine Eingeweide ändern. On a prié pour lui au nom de Yeshua, il était allongé. Wir haben im Namen Jesu gebetet. Il avait du mal à bouger. Und er konnte sich fast nicht bewegen. Hier, on m'envoie un message pour me dire qu'il est sorti, il était, tout va bien, il est dans le jardin. Il était dans le jardin de l'hôpital, il prenait son soleil, tout va bien, tout est... Er geht raus im Krankenhausgarten und nimmt frische Luft. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Impressionnant. Hier, deux femmes sont venues au bureau. Gestern Abend kamen zwei Frauen ins Büro. Elles étaient là à partir de 14h30. Ab 14h30 waren sie. Il n'y avait personne et elles ont attendu. Und sie haben gewartet. Quand je suis arrivé et il y en a une qui me dit, moi j'étais déclaré diabétique, je me piquais tous les jours. Je faisais des piqûres und tous les sagte, jours. Ich war Diabetikerin und habe mich et quand j'ai écouté le message, und als ich diese Botschaft hörte, le Seigneur m'a touché. Hat mich der Herr berührt. Et depuis novembre, je ne und prends plus November de traitement. Nehme ich nichts mehr zu mir. Et je vais mieux. Und es geht mir gut. Le Seigneur fait des choses qui nous choquent. Der Herr tut Dinge, die uns schockieren. Parfois on se dit, mais est-ce que c'est un rêve ou... Manchmal fragt man sich, ist das ein Traum oder Realität? Des gens qui viennent tôt le matin qui disent on veut le baptême aujourd'hui. Leute die früh am Morgen kommen und sagen wir wollen heute unbedingt getauft werden. Il y a un prophète qui est venu nous voir. Ein Prophet kam zu uns. Il a dit que il s'est repenti parce qu'il nous traitait de Satan, d'Antéchrist, tout ça. Und er tat Buße, da er uns als Zauberer und Satanisten ansah. J'ai fait une émission avec lui.
Und ich habe mit ihm eine Botschaft im Fernsehen verkündet. Le lendemain, le président des pasteurs africains, un homme qui se présente comme étant le président. Am nächsten Tag hat uns ein Mann angerufen, der sich als Oberhaupt der Präsidenten, der afrikanischen Präsidenten ausgibt. Il a appelé cet homme pour lui dire, qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Und er hat diesen Mann angerufen. Donc ils sont connectés sur TV de vie. Was hast du dort getan? Sie sehen sich also TV de vie an. Il dit, tu sais pas que cet homme a pris la magie indienne? Er sagt, weißt du nicht, dass dieser Mann indische Hexerei gebraucht hat? Ils sont, ils ont, il y a un autre pasteur qui a dit à ce prophète, on va aller voir le propriétaire de ta salle pour qu'il te mette dehors. Jemand hat zu diesem Mann gesagt, wir werden sehen, dass du aus deinem Saal geworfen wirst. Ça va? Amen. Et ils sont allés jusqu'à chez lui. Sie sind zum Vermieter gegangen. Ils tremblent. Mais pourquoi? Et ce prophète a disparu, veut plus venir me voir, il a la fuite. Sie fürchten sich, warum? Dieser Prophet wollte mich nicht mehr sehen. Les prophètes du ventre. Das sind die Propheten des Bauchs. Un prophète, c'est un fou. Ein Prophet muss ein Verrückter sein. C'est pas les prophètes qui viennent ici, la prophète pour prophétiser. Ce n'est pas ça les prophètes. Un prophète, quand il arrive, il part tout le monde tremble. Ein wahrer Prophet, wenn er irgendwo hinkommt, werden sich alle fürchten. Vos pasteurs ici en Allemagne avec leurs associations, surtout les pasteurs d'origine africaine, la plupart sont des sorciers ici. Eure deutschen Pastoren hier, besonders diejenigen, die aus Afrika kommen, ils aiment leurs costumes, leurs cravates. Zauberer und Hexer, und sie lieben ihre Anzüge. Des impuniques, la plupart. Meistens Unzüchtige. Ils ont tout fait pour que je vienne en Allemagne. Ils pensent que l'Allemagne leur appartient. Sie haben alles getan, damit ich nicht nach Deutschland komme. Même le maire de leur, les maires de leur ville ne les connaissent même pas. Sogar ihre Bürgermeister wissen es gar nicht. On va commencer à prophétiser pour que certains soient rapatriés en Afrique. Wir werden anfangen, Prophetien zu geben, damit einige von ihnen nach Afrika zurückgeschickt werden. Oder in Amerika Latine. Oder nach Lateinamerika. Un prophète n'est pas un demandeur d'asile, c'est un missionnaire. Ein Prophet ist Missionar und nicht Asylbewerber. Ils font tout pour que je me taise, mais plus tu m'attaques, plus je deviens fou. Sie tun alles, damit ich ruhig bleibe, aber je mehr du mich attackierst, umso verrückter werde ich. Vous voulez que je continue à parler ou... Amen. Amen. Quand ça me prend, je dis tout. Wenn es mich mal ergreift, dann sage ich alles. Leurs entreprises sont menacées. Je ne suis pas encore dans l'enseignement, je suis en train de nettoyer là. Ich mache erstmal die Reinigung und dann geht es die Botschaft los. Je ne veux pas se taire, on va revenir encore ici, on va aller encore à Stuttgart, on va encore aller ici, là. On va aller plus partout. Le peuple de Dieu doit être libéré. Christ n'est pas mort à la croix pour que toi tu sois un nettoyeur de la salle. Christus ist nicht am Kreuz gestorben, damit du Reinigungskraft bist. Quel est ton ministère? Je suis diaconesse, je m'occupe de la salle. C'est écrit où? Welchen Dienst hast du? Ich bin Reinigungskraft in unserem Gebäude. Wo steht das in der Bibel? Dieu est bon. Gott ist gut. On est allé au Gabon, ils se sont cachés là-dedans. Ils ont des tanières, ils ont des grottes. Ils sont rentrés là-dedans là, en attendant que je parte. Wir waren in Gabon und da haben sie sich in Grotten versteckt, bis ich wieder weggeflogen bin. Les boutiques font faillite aujourd'hui là. Les églises de Satan vont faire faillite et la véritable église va se lever pour servir le Seigneur. Die Gemeinde Gottes wird erstehen.
puis là, je vois une affiche de banquet, séminaire, 600 euros pour une semaine de formation. C'est de du vol. Und ich sehe ein Plakat vom Bonke, 600 Euro, eine Woche Seminar. C'est de l'arnaque. Das ist Diebstahl. Non, il n'a pas entendu. Dis-lui que c'est de l'arnaque. Das ist Diebstahl. Ausbeutung. Pour vous apprendre comment évangéliser. Damit ihr lernt, wie ihr evangelisieren sollt. Ah bon? Vous avez vu Jésus-Christ demander de l'argent pour apprendre aux gens comment évangéliser? Habt ihr gesehen, dass Jesus Christus sowas tut? Marcher. Geht. Ça touche tout le monde. Les Européens, les Africains, les Asiatiques. Geht, das bedeutet, für, das ist für alle gemeint. Le diable est rentré dans les églises. Der Teufel ist in die Gemeinden. Les démons sont rentrés dans les églises. Die Dämonen sind in die Gemeinden eingedrungen. Les marchands pullulent dans les églises. Die Verkäufer zirkulieren in den Gemeinden. Et Dieu pleure. Und Gott weint. Dieu cherche. Gott sucht. Où sont les prophètes? Wo sind die Propheten? Qui prêchent la parole sans demander, sans faire payer aux gens l'entrée de, d'un séminaire, tout ça. Die das Wort Gottes predigen, ohne Eintritt zu verlangen. 600 euros pour une semaine de formation. 600 Euro für nur eine Woche. Vous vous rendez compte de l'arnaque, du vol? Seht ihr diese Ausbeutung, diesen Diebstahl? Ça touche tout le monde, le Cameroun, la Belgique, le Tchad. Es betrifft alle Länder, Tchad, Kamerun, alle Länder. Partout. La France. Frankreich. Regardez autour de vous. Il y a une soif, les gens ont soif. Regardez le nombre qui nous sont dit. Les gens ont soif. Die Leute haben Durst. Les gens cherchent Dieu. Il y en a qui cherchent Dieu. Die Leute suchen Gott. Es gibt Leute, die Gott suchen. Quand ils voient des séminaires comme ça, on leur dit 600 euros. Wenn sie ein Seminar sehen, das 600 Euro. On leur dit payer la dîme. Vous avez vu Jésus demander la dîme à qui? Und sie müssen den Zehnten zahlen. Hat Jesus das verlangt? Vous avez vu Pierre prêcher la dîme, demander la dîme à qui? Hat Petrus das verlangt? Jacques. Oder Jakobus. Étienne. Oder Stephanus. De toute façon, le Seigneur est en train de sortir ses enfants de tous ces endroits-là. Ils ne peuvent plus éteindre le feu du réveil. Auf jeden Fall holt der Herr seine Kinder aus all diesen Orten heraus. Das Feuer kann nicht mehr gelöscht werden. Vous aimez la parole? Amen. Liebt ihr das Wort? On est là jusqu'à quelle heure? On va faire une pause à quelle heure? Bis wann sind wir hier? Les gens peuvent s'asseoir là. Wenn die Leute wollen, dann können sie sich auch vorne hersetzen. Et puis les frères qui sont galants là. Und die Brüder, die sehr galant sind. Et là, qui peuvent se mettre sur le mur. Les frères, vous pouvez venir vous asseoir aussi. Merci.
Danke schön. C'est bon, gloire à Dieu. Ehre dem Herrn. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Wir lesen Matthäus Kapitel 16. Alors s'il vous plaît, suivez vraiment l'enseignement. Hört bitte der Lehre zu. Si votre voisin somnel dort, il faut le réveiller. Wenn euer Nachbar anfängt zu schlafen, dann weckt ihn bitte auf. Nous voulons profiter de cette occasion pour vraiment partager la parole. Ah, c'est toi? Ok. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Nous lisons à partir du verset 1er. Alors les pharisiens et les sadducéens vinrent à lui et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Mais il leur répondit, « Quand le soir est venu, vous dites, il fera beau temps. Quand le soir est venu, vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, vous dites, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez bien discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes de temps. » Matthieu 16, 1 à 3. Und die Pharisäer und Sadduzäer kamen herbei und um ihn zu versuchen, baten sie ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr, heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und frühmorgens, heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Nous voulons partager sur les signes du temps. Wir wollen uns austauschen über die Zeichen der Zeit. Dieu ne veut pas que nous soyons surpris par le retour de Yeshua. Der Herr möchte nicht, dass wir überrascht sind, bevor der Herr wiederkommt. Dieu ne veut surtout pas que vous ratiez l'enlèvement de l'Église. Der Herr möchte überhaupt nicht, dass er die Entrückung verpasst. Mes frères et sœurs, notre génération est celle qui verra l'Église enlevée. Meine Brüder und Schwestern, unsere Generation ist diejenige, die in den Himmel entrückt. Alors ceux qui ont des chewing-gums, si vous pouvez les lever, comment les enlever, juste pendant le temps de l'enseignement, ça serait vraiment une bonne chose si c'est possible. Notre génération, je disais, est celle qui verra l'Église enlevée. Unsere Generation ist diejenige, die die Gemeinde in den Himmel aufstehen sieht. Vous verrez pourquoi. Und ihr werdet sehen, warum. Et le Seigneur parle des signes de temps. Der Herr spricht von den Zeichen der Zeit. Dans la Bible. In der Bibel. Il y a plusieurs temps. Gibt es mehrere Zeiten. Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour toute chose. Es gibt eine Zeit für alles. Dieu est hors du temps. Der Herr befindet sich außerhalb der Zeit. Aber du und ich, wir sind an die Zeit gebunden. Nous fonctionnons en rapport avec le temps. Wir funktionieren mit der Zeit. Nous fonctionnons avec le temps. Wir funktionieren mit der Zeit. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Es gibt eine Zeit zum Gebären. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour se taire. Es gibt eine Zeit zum Sprechen. Es gibt eine Zeit zum Schweigen. Alléluia. Il y a un temps où l'Église était née. Il y a un temps où l'Église partira. Wo die Gemeinde geboren wurde, es gibt eine Zeit, wo die Gemeinde wieder geht. Et tout autour de la grossesse, Dieu a mis tout autour d'une femme, de la grossesse. Und wenn es ums Gebären geht, des signes, gibt es Zeichen, des symptômes,
die diese Schwangerschaft oder diese Geburt vorhersagen. Qui annonce l'imminence de l'accouchement, de la naissance. Dass es bald soweit sein wird und das Kind auf die Welt kommt. Et Dieu a mis tout autour de vous et moi des signes. Und rund um uns herum befinden sich Zeichen. Il a mis dans le ciel, sur la terre, autour de nous plein de signes. Im Himmel und auf der Erde befinden sich viele Zeichen. Qui nous avertissent de son retour imminent. Die uns vorhersagen, dass der Herr bald wiederkommt. Les Pharisiens, die Pharisäer, avaient la connaissance de la météo. Hatten die Kenntnis des Himmels. Ils avaient la charge d'enseigner les Hébreux. Sie hatten die Aufgabe, die Hebräer zu lernen. Ils connaissaient la météo. Sie kannten die Meteorologie. Ils pouvaient prédire la pluie. Und konnten Wettervorhersagen machen. Mais ils n'avaient aucune connaissance sur les signes de temps. Aber sie wussten nichts bezüglich der Zeichen der Zeit. Frères et sœurs, Brüder und Schwestern, beaucoup de païens disent, viele Heiden sagen, si Dieu existe, wenn es Gott gibt, pourquoi laisse-t-il les gens malades comme ça? Warum lässt er Leute krank sein? Si Dieu existe, wenn es Gott gibt, pourquoi permet-il autant d'atrocités, autant de combats, de guerres, de famines? Warum erlaubt er so viele Brutalität und Familienkriege? Il y a même des chrétiens qui commencent à se poser ce type de questions. Viele Christen stellen sich ebenso diese Frage. Alléluia. Alors il y a un temps. Es gibt aber eine Zeit. Pendant lequel Dieu, n'est-ce pas, a laissé les hommes s'auto-diriger, s'auto-gérer. Während der Gott es zuließ, dass Menschen sich selber über sich selber bestimmen. Et nous sommes arrivés presque à la fin du temps, n'est-ce pas, des nations. Und wir sind praktisch am Ende der Zeit der Nationen. Alors les apôtres posent une question au Seigneur. Und die Apostel stellten dem Herrn eine Frage. Dans Matthieu 24. In Matthäus 24. Seigneur. Herr. Quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde? Welches ist das Zeichen, dass du wiederkommst und dass die Welt jetzt zu Ende ist? Le monde connaîtra une fin. Die Welt wird ein Ende kennen. Vous devez le savoir. Ihr müsst es wissen. La Bible nous enseigne. Die Bibel lehrt uns. Que Dieu va détruire notre civilisation. Unsere Zivilisation zerstören wird. Que Dieu wird. Va détruire notre monde. Dass Gott unsere Welt hier zerstören wird. Alléluia. Alléluia. Et les signes qui annoncent ce temps. Und die Zeichen dieser Zeit. Sont là sous vos yeux. Sind unter euren Augen. Un des signes majeurs. Ein Hauptzeichen. C'est l'absence de la présence de Dieu de nos églises visibles. Ist die Absenz der Gegenwart Gottes in unseren heutigen Gemeinden. Dieu s'est retiré de beaucoup d'églises. Gott hat sich aus vielen Gemeinden zurückgezogen. Regardez. Qu'est-ce qui prouve que Dieu est quelque part? Was besagt, qu'est-ce qui atteste dass Gott que Dieu quelque part? Ist? Was ist der Beweis dafür? Premièrement, erstens, c'est l'adoration. Anbetung. Dieu est adoré. Gott muss angebetet werden. Quand Dieu se révèle quelque part, naturellement les gens l'adorent. Wenn Gott sich irgendwo offenbart, dann beten ihn die Menschen von Haus aus an. Deuxièmement, zweitens, les gens se convertissent. Leute bekehren sich. Où sont les conversions dans nos églises? Wo sind die Bekehrungen in unseren Gemeinden? Les gens reçoivent leur baptême le même jour. Leute bekommen am selben Tag ihre Taufe. Où sont les baptêmes aujourd'hui? Wo sind heutzutage die Taufe? Autre chose. Des couples qui étaient au bord du divorce sont restaurés. Nächster Punkt. Die Leute, die sich eigentlich scheiden lassen wollten, werden wiederhergestellt. Autre chose. Anderes Zeichen. On n'a pas besoin de faire de la pub pour organiser des programmes. Wo der Heilige Geist ist, braucht man keine Werbung machen. Les gens sont poussés par l'esprit à venir. Der Heilige Geist selbst treibt die Leute an, herzukommen. Autre chose. On n'a pas besoin. Il n'y a pas de dette. On ne s'endette pas. Man verschuldet sich nicht. Il n'y a pas d'arriéré de loyer pour l'assemblée. Man muss irgendwie nicht um die Miete betteln. Alléluia. Autre chose. Anderes Zeichen. Il y a des confessions publiques. Es gibt öffentliche Bekenntnisse. Les gens se lèvent et confessent publiquement leurs péchés. Leute verkünden ihre Sünden vor der ganzen Versammlung. Autre chose. Anderes On n'a pas besoin de mettre l'accent sur l'argent. Les gens soutiennent financièrement l'œuvre de Dieu naturellement, librement. Man braucht nicht immer vom Geld sprechen, sondern die Leute spenden von Haus aus. Ces signes-là, on les voit presque plus dans les églises. Alle diese Zeichen sieht man in den heutigen Gemeinden fast Donc, nicht mehr. Dieu se retirait de là. Gott hat sich also zurückgezogen. Ça, c'est un signe majeur aussi. Das ist ein Hauptzeichen. En fait, en gros, c'est l'apostasie qui s'est installée. Der Abfall ist gekommen. Alléluia. Vous voyez, ça, c'est un des signes qui nous atteste
que le Seigneur est en train de revenir. Das ist eins der Zeichen, das uns bestätigt, dass der Herr wiederkommt. Et aujourd'hui, je voudrais parler de quelques signes majeurs. J'ai commencé à en parler un peu à la télé. Heute möchte ich von einigen Hauptmerkmalen, einigen Hauptzeichen reden. Le Seigneur dit aux apôtres. Der Herr sagt zu den Aposteln. Il leur répond en disant, lorsque vous verrez, wenn ihr seht, des guerres, Kriege, des tremblements de terre, Erdbeben, des famines, Hungersnöte, prenez garde que vous ne soyez séduits. Nehmt euch in Acht, damit ihr nicht verführt werdet. Alléluia. Alléluia. Et regardez quelque chose de très précis. Und etwas sehr Spezielles. Lorsque les apôtres ont posé la question au Seigneur dans Matthieu 24. Als der Apostel diese Frage dem Herrn in Matthäus 24 gestellt sur les signes de son avènement. Über die Zeichen seiner Wiederkunft. En fait, les Écritures nous apprennent que c'est Pierre, Jacques, Jean et Philippe qui avaient posé la question au Seigneur. In der Heiligen Schrift steht, dass es Petrus, Jakobus, Johannes und Philippus waren. Et dans Apocalypse 4. Die dem Herrn diese Frage gestellt haben. Après la mort et la résurrection de Jésus. In Offenbarung 4 aber steht geschrieben. Jean. Nach der Auferstehung l'apôtre Jean reçoit l'invitation d'aller au ciel. Bekommt die Einladung in den Himmel zu gehen. Et une voix lui dit, monte ici. Eine Stimme sagt ihm, steig herauf. Je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. Ich werde dir zeigen, was in Zukunft passieren wird. Alléluia. Dieu va révéler à Jean des choses qui vont se passer dans notre génération. Der Herr wird Johannes offenbaren, was in Zukunft geschehen sollte. Et Jean arrive au ciel. Und Johannes kommt in den Himmel. Et qu'est-ce qu'il voit? Und was sieht er da? Il voit un trône. Einen Thron. Quelqu'un était assis dessus. Jemand sitzt auf ihm. Et il voit un livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Und ein Buch in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron sitzt. Et il entend quelqu'un qui dit. Und er hört, wie jemand qui est digne de prendre ce livre et de l'ouvrir. Wer ist würdig, dieses Buch zu nehmen und zu öffnen? Il y avait personne. Niemand war würdig. Dans le ciel. Nicht im Himmel, sur la terre, sous la nicht terre, auf der Erde, nicht unter der capable Erde, de prendre ce livre et d'en rompre les sceaux. Niemand war würdig, diese Siegel zu brechen. Et Jean pleurait. Und Johannes weinte. Jean pleurait. Er weinte. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait prendre ce livre et rompre les sceaux. Weil niemand dieses Buch öffnen konnte und die Siegel brechen. De quel livre parle-t-on ici? Von welchem Buch spricht man hier? Dans le livre, il est question du livre dans lequel sont consignés, n'est-ce pas, les événements qui précéderont le retour de Jésus-Christ. Es handelt sich dabei um das Buch, in dem die Zeichen stehen, die der Wiederkunft des Herrn vorangehen. Et Jean prend ce livre, Yeshua vient, il prend ce livre. Yeshua kommt und nimmt dieses Buch. Et il va rompre ses sept sceaux. Und wird nacheinander sieben Siegel brechen. Et ce livre-là und dieses Buch avait été donné à Daniel par Dieu. Wurde Daniel von Gott gegeben. Dans Daniel 12, Dieu dit à Daniel, Daniel 12, seul ce livre-là. Sagt Gott zu Daniel, nur dieses Buch. Ne l'ouvre pas. Öffne nur dieses Buch nicht. Cache ces révélations. Sondern verstecke diese Offenbarungen. Jusqu'au temps de la fin. Bis zur Endzeit. Et nous sommes au temps de la fin depuis. Und wir sind in der Endzeit. Je vous pose une question. À quel moment le temps de la fin, ich stelle euch eine Frage. Wann hat die Endzeit begonnen? Le temps de la fin a commencé quand? Wann? Qui veut me répondre? Wer möchte eine Antwort geben? Le jour de la Pentecôte, à la naissance de l'Église. Am Pfingsttag, und zwar bei der Geburt der Gemeinde. C'est là, il y a 2000 ans que vor 2000 Jahren also le temps de la fin a commencé. Hat diese Endzeit begonnen. Pierre dit, Petrus sagt, c'est ici ce que Joël avait dit. Dies hat Joël gesagt. Dans les derniers jours, in den letzten Tagen je répandrai de mon esprit werde ich meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Nous sommes dans les derniers jours depuis 2000 ans. Seit 2000 Jahren in den letzten Tagen. Alléluia. Et donc, ça veut dire quoi? Was bedeutet das also? Le livre que Daniel avait scellé, dieses Buch, das der Herr versiegelt hat, est un livre, ist ein Buch, qui concerne notre génération, das unsere Generation qui betrifft, concerne les derniers jours, das die letzten Tage betrifft. Et le Seigneur prend ce livre-là, und der Herr nimmt dieses Buch, et il va ouvrir, il va briser ses sept sceaux, und bricht diese sieben Siegel. Et regardez ce qu'il dit. Und was sagt er? Dans Apocalypse 6. In Offenbarung 6.
Nous sommes au verset 1er. Wir lesen Vers 1. Et quand l'agneau eut ouvert l'un des seaux, je regardais et j'entendis l'un des quatre animaux qui disait comme avec une voix de tonnerre, viens et vois. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete und hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit einer Donnerstimme sagen, komm. On a invité Jean à venir et à voir. Man hat Johannes eingeladen zu kommen und viens zu sehen. Et vois. Komm und sieh. Pourquoi? Warum? Parce que Jean voulait connaître les signes de la fin de temps. Denn Johannes wollte wissen, welches die Zeichen der Zeit seien. Et Dieu lui dit, viens et vois. Und Gott sagt zu ihm, komm und sieh sie. Et Jean s'est approché. Und Johannes näherte sich. Et il a vu quoi? Und was hat er gesehen? Il a vu le premier signe. Er hat das erste Zeichen gesehen. Le premier signe. Das erste Zeichen. Il a vu un cavalier sur un cheval blanc. Einen Reiter auf weißem Pferd. Frères, écoutez bien, s'il vous plaît. Brüder und Schwestern, hört gut zu. Un cavalier, le premier cavalier sur un cheval blanc. Der erste Reiter auf weißem Pferd. Pourquoi le cheval? Warum das Pferd? Vous pouvez me répondre pourquoi? Könnt ihr mir antworten, warum? Pourquoi un cheval? Warum ein Pferd? Qui aime la parole ici? Wer mag hier das Wort Gottes gerne? Le psaume nous dit quoi? Was steht in dem Psalmen? Le cheval est équipé pour quoi? Pour la guerre, pour la bataille. Das Pferd ist gerüstet zum Kampf. Alléluia. Amen. Le premier cavalier. Der erste Reiter. Est sur un cheval. Ist auf einem Pferd. Parce qu'il va livrer la guerre. Weil er wird den Krieg ausführen. Écoutez. Hört. Pourquoi blanc? Pourquoi la couleur blanche? Warum die weiße Farbe? Le déguisement. Die Verkleidung. D'accord? Vous allez voir aussi que beaucoup de sectes aiment s'habiller en blanc. Ihr werdet sehen, dass viele Sekten sich auch in weiß kleiden. Alléluia. Amen. Même l'église romaine. Hein? Auch die romanische Kirche. Il y a un monsieur aussi américain qui a servi beaucoup en blanc. Vous vous rappelez de ce monsieur-là? Un américanischer. Rappelez-moi son prénom. Man, comment? Dis à ton voisin, les signes sont là. Americana Benjamin kleidet sich auch immer in weiß. Alléluia! Die Zeichen sind da. Satan se déguise en. Satan verkleidet sich in einen Engel des Lichts. Parce que le blanc attire. Denn das Weiße zieht an. Et Satan se déguise. Und Satan verkleidet sich. Le premier signe. Das erste Zeichen. C'est l'Antichrist. Ist der Antichrist. L'Antichrist. Der Antichrist. Il vient. Er kommt. Tout en étant déguisé. Und hat sich verkleidet. Il se déguise en prophète de Dieu. Er verkleidet sich als un apôtre, als Apostel. Als Prophet, en Église de Dieu, als Gemeinde Gottes, c'est livré. Das ist der die Spreu. C'est ça. Ja. Alléluia. Amen. Vous voulez que je continue ou? Amen. Il est sur un cheval blanc et il va attaquer. Er ist auf weißem Pferd und er attackiert. Dis à ton voisin, prépare-toi à la guerre. Bereite dich vor auf den Krieg. Il avait un arc. Er hat einen Bogen. On fait quoi avec un arc? Was macht man mit einem Bogen? Hein? Pour se battre avec, mais on utilise quelle arme? Des flèches. Alléluia. Pfeile für einen Bogen. Bon, dites-moi. Sagt mal. Parmi les armes du chrétien, donnez-moi le nom d'une arme qu'on utilise pour, n'est-ce pas, pour parader les flèches. Auch der Christ hat eine Waffenrüstung. Welches ist die Waffe, die du gegen die Pfeile einsetzt? Le bouclier. Le bouclier de la. Das Schild des Glaubens. Okay. Alors, écoutez bien l'enseignement. Ça vous intéresse? Oui. Interessiert euch die Lehre? C'est très important d'ouvrir les oreilles. Es ist wichtig, cet öffnet enseignement concerne ceux qui vont être enlevés. Diese Lehre betrifft all diejenigen, die entrückt werden. Le premier signe. Das erste Zeichen. C'est le cavalier sur le cheval blanc. Ist der Reiter auf weißem Pferd. Pourquoi blanc? Warum weiß? Parce que c'est pour séduire, c'est le déguisement.
Es ist die Verkleidung, um zu verführen. Et pourquoi, n'est-ce pas, l'arc? Und warum den Bogen? C'est pour se servir, pour atteindre avec des flèches, des traits enflammés, la pensée, le cœur de chrétien. Um mit diesen Feuerpfeilen das Herz und die Gedanken der Christen zu treffen. Pour détruire ta foi. Um deinen Glauben zu zerstören. Frères et sœurs, Brüder und Schwestern, Jésus nous dit ceci. Jesus sagt uns folgendes. Quand le Fils de l'homme viendra, wenn der Menschensohn aber wiederkommt, trouvera-t-il la foi? Wird er aber den Glauben wiederfinden? Et regarde autour de vous. Seht euch um. Beaucoup de chrétiens n'ont plus foi en Dieu. Viele Christen haben keinen Glauben mehr an Gott. C'est l'apostasie. Das nennt man Abfall. Sans la foi. Ohne Glauben. Il est impossible de plaire à Dieu. Unmöglich, Gott zu gefallen. Beaucoup de chrétiens ne croient plus en Dieu. Viele Christen glauben nicht mehr an Gott. Et l'antéchrist vient. Und der Antichrist kommt. Avec ses traits enflammés. Und mit diesen Feuerpfeilen. Et au bout de ces flèches, il y a un feu, le feu étranger. Und an der Spitze dieses Pfeils ist dieses fremde Feuer. Si tu n'as pas le bouclier. Wenn du diesen Schild si nicht tu n'as hast, pas la foi, wenn du diesen Glauben nicht si hast, tu es idolâtre, wenn du Götzendiener bist, la flèche avec son feu étranger va toucher ton cœur. Wird dich dieser Feuerpfeil mit dem fremden Feuer treffen. Et si tu es touché par cette flèche, und wenn du in diesem deinem Herzen getroffen tu bist, tombe dans la séduction. Wirst du in die Verführung tu tombe dans la cupidité. Du wirst la cupidité, le doute. Du wirst in Zweifel verfallen. Unglauben verfallen. Tu retournes dans les choses que tu avais vomi. Und du kehrst zu den Dingen zurück, die du ausgespien hast. Et il y a plusieurs démons qui ont des flèches comme ça qui tirent sur les gens. Mehrere Dämonen haben diese Feuerpfeile. Donc ça c'est le travail du premier cavalier. Das ist die Arbeit des ersten Reiters. Viens et vois. Komm und sieh. Ça c'est un de premier signe que le Seigneur nous donne. Eines der ersten Zeichen, die der Herr uns gibt. La Bible nous dit. Die Bibel sagt uns. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Im 2. Thessalonicher Kapitel 2. Que il va y avoir qu'il y aura deux avènements. Dass zwei Ereignisse geben wird. C'est ça. Deux avènements. Le premier avènement. Das erste Ereignis. C'est l'avènement de l'Antichrist. Das Kommen des Antichristen. L'avènement c'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'avènement? Was c'est la présence de Jésus, c'est l'arrivée de Jésus-Christ sur terre. Die Wiederkunft, die Gegenwart Jesu Christi auf der Erde. Donc avant l'avènement du Seigneur, bevor Jesus wiederkommt, il y aura d'abord l'avènement de l'homme impie. Kommt zuerst mal der Antichrist wieder. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Er geht bis in den Tempel Gottes. Se proclamant lui-même Dieu. Und ruft sich selber als Gott aus. Ce que Satan n'a pas réussi à faire au ciel, il a réussi à le faire dans nos églises aujourd'hui. Alles was Satan im Himmel nicht geschafft hat, schafft heute auf der Erde in unseren Gemeinden. L'Antéchrist. Der Antichrist. A introduit le péché dans les églises. Hat die Sünde in die Gemeinde Gottes eingeführt. L'Antéchrist. Der Antichrist. A introduit l'amour de l'argent dans les églises. Hat Geldliebe in die Gemeinde eingeführt. L'Antéchrist. Der Antichrist. A introduit. Hat eingeführt. Le commerce dans les églises. Den Handel in der Gemeinde. On commence à vendre les enseignements bibliques. Biblische Lehren werden verkauft. On commence à vendre la parole de Dieu. Das Wort Gottes wird verkauft. On commence à élever l'homme. Der Mensch wird emporgehoben. On commence à adorer l'homme. Der Mensch wird angebetet. On a rejeté Dieu le Créateur. Gott, den Schöpfer, hat man weggejagt. L'Antéchrist. Der Antichrist a introduit la musique rock dans les églises. Hat Rockmusik in die Gemeinden eingeführt. L'Antéchrist. Der Antichrist a introduit le rap dans les églises. Hat Rap in die Gemeinden eingeführt. L'Antéchrist. Der Antichrist a introduit le monde dans les églises. Hat die Welt in die Gemeinden eingeführt. C'est ce que la parole nous dit, frères et sœurs. Das sagt uns das Wort Gottes. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans le monde entier. Und wir sehen das in aller Welt. La foi véritable. Der wahre Glaube dans le Dieu tout-puissant a disparu presque. In den allmächtigen Gott ist fast verschwunden. Et on nous pousse à avoir la foi dans l'argent.
Und man macht, dass man, dass wir die Liebe dans le matériel. Glauben zum Geld und ans Materielle haben. Beaucoup de gens vont dans les églises juste pour viele avoir de Leute l'argent. Gehen in die Kirche nur um, um Geld zu juste bekommen. Pour le matériel. Nur um Materielles zu sehen. Donnez, Dieu vous rendra. Donnez, Dieu vous le rendra. Gebt und Gott wird euch wiedergeben. C'est pas ça, l'évangile, frères et sœurs. Das ist nicht das wahre Evangelium. L'évangile, das Evangelium, c'est la prédication de la croix. Ist die Predigt des Kreuzes. La mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile, das Evangelium, c'est la conversion des âmes. Ist die Bekehrung der Seelen. C'est la repentance. Ist Buße. L'évangile, das Evangelium, c'est la sanctification. Ist die Heiligung. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'évangile, das Evangelium, c'est quand le seul nom est élevé, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom qui doit être prêché et levé sur la terre. Der gepredigt und erhoben werden darf auf Erden. Alléluia. L'évangile, das Evangelium, c'est la dénonciation du péché. L'évangile, c'est la dénonciation des coutumes et traditions. Amen. Die Offenbarung der Bräuche und Traditionen. L'Antéchrist est venu. Der Antichrist kam. Il doit livrer une bataille. Er muss einen Kampf führen. Il est rentré. Er ist eingebrochen. Et il détruit beaucoup de chrétiens. Und er zerstört viele Christen. Beaucoup de pasteurs. Viele Pastoren. Paul, Jésus dit. Jesus sagt. Il dit aux pharisiens. Vous êtes comme des tombeaux blanchis, comme des tombeaux blanchis. Ihr seid wie weiße Gräber. Vous avez vu, non? Le blanc. Weiß. Et à l'intérieur, vous êtes plein d'ossements desséchés. Und innerlich seid ihr, habt ihr ausgetrocknete Gebeine. Vous avez vu tous ces hommes avec leurs soutanes aujourd'hui dans les églises? Seht ihr all diese Leute mit Priesterkleidung heute in den Gemeinden? Vous avez vu tous ces pasteurs avec leurs soutanes? All diese Pastoren mit besonderer Priesterkleidung. Ils sont beaux dans leurs soutanes, n'est-ce pas? Comme les prêtres catholiques. Sie fühlen sich sehr schön. Mais à l'intérieur, c'est rempli d'impudicité, rempli d'adultère, rempli de cupidité, de voleurs. Voller Ehebruch, voller Diebstahl, voller Unreinheit. Vous voulez que je parle encore? Je parlerai encore. Soll ich weiter sprechen? Ich spreche weiter. L'heure est grave. Dis à ton voisin, l'heure est grave. Sag zu deinem Nachbarn, es ist eine schwierige Zeit. Vous cherchez le vrai chrétien? Sucht ihr wahre Christen? Vous ne le trouverez plus dans les bâtiments d'église presque. Ihr werdet sie in den Kirchengebäuden nicht mehr finden. Ils sont dans leur maison. Sie sind zu Hause geblieben. Ils prient avec des frères et sœurs qui craignent Dieu. Sie beten mit Brüdern und Schwestern, die auch Gott fürchten. L'Antéchrist est sur son cheval. Der Antichrist ist auf seinem Pferd. Regardez. L'Antéchrist cherche à imiter Jésus. Der Antichrist möchte Jesus imitieren. Jésus sera sur un cheval. Jesus wird auf einem Pferd sein. Il reviendra sur un cheval blanc. Er wird auf weißem Pferd wiederkommen. Et l'Antéchrist aussi prend un cheval blanc. Und der Antichrist kommt auch auf weißem Pferd. Vous avez vu comment c'est grave? Seht ihr, wie schlimm das ist? Et beaucoup de chrétiens l'adorent parce qu'ils pensent que c'est vu Jésus. Viele Christen beten ihn an, denn sie denken, es ist Jesus. Pendant des années, on vous a prêché un Jésus qui n'a rien à voir avec le Jésus de Pierre. Jahrelang ist euch ein Jesus gepredigt worden, der nicht dieser Jesus von Petrus ist. Un Jésus qui vient chez toi pour manger de la semoule, un matin, midi, soir. Un Jésus qui demande ta dîme. Un Jésus qui demande ton offrande d'action de grâce. Ein Jesus, der deine Dankopfer möchte, der deinen Zehnten möchte, der zu dir kommt, um wunderbare Speisen zu essen. Il a de flèche. Er hat diese Feuerpfeile. Et il tire. Tant. Il ab. Il va tirer tant. Er zielt. Si le frère n'a pas de bouclier, ça va atteindre son cœur. Wenn dieser Bruder keinen Schild hat, wird es sein Herz erreichen. Il envoie ses émissaires, des sorciers qui vont dans les églises avec des flèches. Er schickt seine Botschafter, die Hexer und Zauberer, in die Gemeinden. Tu es là en train de prier. Feuerpfeilen. Et tu reçois une flèche, une pensée impure qui vient, que tu vas garder dans ton cœur, ça te tue. Du erhältst einen Pfeil. Du bekommst deinen unreinen Gedanken und behältst ihn im Herzen und dann stirbst du. Il y a des couples qui craignaient Dieu. Es gibt Ehepaare, die haben Gott gefürchtet. Une fois qu'ils sont allés dans une assemblée, ils ont reçu tellement de flèches qu'ils ont fini par divorcer.
und als sie in eine Gemeinde kamen und möglichst viele Pfeile erhielten, haben sie sich getrennt. Le premier cavalier. Das ist der erste Reiter. L'Antichrist. Der Antichrist. Apocalypse nous dit. Die Offenbarung sagt uns. Il lui a été donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu besiegen. Là on saura si tu es un vrai chrétien ou pas. Da wird man wissen, bist du ein echter Christ oder nicht. Je vais vous dire une chose. Ich werde euch etwas sagen. Vous ne voyez pas que l'Antéchrist est en train d'asseoir son pouvoir en Europe, partout. Seht ihr nicht, dass der Antichrist seine Macht in Europa ausbreitet? Vous ne réalisez pas que en Europe, là, y a une ébullition, là, y a le feu. Merkt ihr das nicht, dass hier überall brennt? Vous avez vu? L'Antéchrist est assis sur un cheval. La femme d'Apocalypse 17 assise sur la bête. Der Antichrist sitzt auf einem Pferd und die Frau aus Apokalypse 17 sitzt auf einem Tier. Il est sorti en vainqueur pour et pour vaincre. Ist als Sieger ausgezogen, um zu besiegen. Il y a des choses que je ne pourrais pas vous dire ici. Es gibt Dinge, die ich euch hier nicht sagen kann. La plupart de nos gouvernants, de ceux qui nous gouvernent, savent que l'Antéchrist est déjà là. Die meisten unserer Regierungsoberhäupter wissen, dass der Antichrist schon da sind. L'homme impie. Der Mann der Gottlosigkeit. Vous savez ce qui se passe? Wisst ihr, was geschieht? On va vous dire ça. Wir sagen euch das. Beaucoup de chrétiens sont naïfs. Viele Christen sind naiv. Ils pensent encore que Dieu est dans ce bâtiment d'église. Sie denken, dass Gott immer noch in diesen Kirchengebäuden ist. Dieu n'habite pas dans les bâtiments. Gott wohnt in keinem Gebäude. Dieu veut habiter nos cœurs. Gott möchte in unseren Herzen wohnen. Dieu n'habite pas dans les cathédrales. Gott wohnt nicht in Kathedralen. Dieu n'habite pas dans les bureaux climatisés. Gott wohnt nicht in klimatisierten Büros. Si Jésus revenait aujourd'hui, wenn Jesus heute wiederkäme, il ne serait pas dans un bureau climatisé. Würde nicht in einem klimatisierten Büro sitzen. Ce prophète qui venait le voir, il m'a dit, dieser Prophet, der zu mir kam, sagte, il dit, un pasteur l'a appelé. Sagte mir, ein Pastor hat ihn angerufen. Il lui a dit, und ihm gesagt, il y a des Canadiens qui sont arrivés. Es sind Kanadier gekommen. Ils veulent te donner 1 million pour que tu sois dans leur club. Sie wollen dir 1 Million geben, damit du in ihrer Vereinigung bist. Ils vont t'offrir un gros 4x4. Sie werden dir ein großes Auto schenken. Mais il faut que tu rentres dans leur club. Aber sollst ihrer Vereinigung beitreten. L'Antéchrist est en train de recruter beaucoup de pasteurs. Der Antichrist rekrutiert viele Pastoren. Je vous dis une chose. Ich sage euch was. Si vous êtes dans une assemblée qui fait partie d'une fédération, sortez. Wenn ihr in einer Gemeinde seid, die bei einer Vereinigung dabei ist, si vous allez dans une église dann geht raus. Votre pasteur est dans une association de pasteurs, sortez. Wenn euer Pastor in einer Pastorenvereinigung dabei ist, dann verlasst diese Gemeinde. Qui veut sauver sa vie? Wer möchte sein Leben retten? Alléluia. Amen. J'ai vu l'Antéchrist. Ich habe den Antichristen gesehen. Frère, c'est terrible. Er ist schrecklich. Il va de plus en plus combattre les vrais chrétiens. Er wird mehr und mehr die wahren Christen bekämpfen. Beaucoup de chrétiens vont être découragés. Viele Christen werden entmutigt sein. Qui réalise que les temps sont très très durs? Wer bemerkt, dass es schwierige Zeiten gibt? Le deuxième cavalier. Der zweite Reiter. Et quand il eut ouvert le second sceau, j'entendis le second animal qui disait.
Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen: Viens et vois. Komm und sieh. Et il sortit un autre cheval qui était roux. Und es zog aus ein anderes, ein feuerrotes Pferd. Il fut donné à celui qui était monté dessus le pouvoir d'ôter la paix de la terre. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. Afin que les hommes se tuent les uns les autres. Und die Menschen dahin zu bringen, dass sie einander schlachten. Et il fut donné une grande épée. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Alléluia. Amen. Donnez-moi le nom de l'arme avec laquelle nous pouvons, n'est-ce pas, parader, nous défendre par rapport à l'épée. Gib mir den Namen der christlichen Waffe, die gegen das Schwert ist. Le bouclier de la foi. De la foi. Der Panzer der Gerechtigkeit. Le premier animal, le premier cavalier. Der erste Reiter a des flèches. Hat Pfeile. Au bout desquels il y a des feux, des flammes de feu. Mit Feuer. Le feu étranger. Feurigen Spitzen. Le deuxième cavalier. Der zweite Reiter. Il a une épée qui est grande. Hat ein großes Schwert. Et c'est toujours la même arme qu'il faut avoir. Und wir müssen immer noch dieselbe Waffe haben. Et qu'est-ce que Satan attaque en premier à nous? C'est la foi. Und was attackiert Satan an uns? Den Glauben. Il va attaquer ta santé pour ne plus que tu aies foi. Er wird deine Gesundheit attackieren, damit du keinen Glauben hast. Il va attaquer tes finances pour ne plus que tu aies foi en Dieu. Er wird deine Finanzen attackieren, damit du keinen Glauben hast. Il va attaquer ta famille pour ne plus que tu aies foi. Er wird deine Familie attackieren, damit du keinen Glauben mehr hast. Et Dieu regarde comment tu réagis. Und Gott schaut dir zu, wie du reagierst. Alléluia! Quel ton voisin, la foi! Sag zu deinem Nachbarn, der Glaube. J'ai combattu le bon! Ich habe den guten Kampf gekämpft. Und ich habe den Glauben gehalten. Quel ton voisin, garde la foi! Behüte deinen Glauben. Oh, je n'en peux plus. Ah, ich kann nicht mehr. Oh, je suis fatigué. Ah, ich bin überdrüssig. Tout le temps dans les hôpitaux. Andauernd in den Krankenhäusern. Ah, Dieu, je suis fatigué, enlève-moi. Herr, ich kann nicht mehr, nimm mich weg. Tu vas partir où? Tu n'as pas encore fini la mission, tu vas partir. Wo willst du hingehen? Du hast deine Mission noch nicht erfüllt. Alléluia! Dis à ton voisin, tu ne mourras pas. Sag zu deinem Nachbarn, du wirst nicht sterben. Oh! Je pense que j'ai le diabète. Dis à ton voisin, le diabète est un nom. Ich glaube, ich habe Diabetes. Diabetes ist ein Name. C'est ta foi. Dein Glauben setze ein. Ne t'arrête pas sur le diabète. Focalise-toi sur la foi. Halte nicht bei der Diabetes still. Le problème, ce n'est pas la maladie. Le problème, c'est ta foi qui est menacée. Das Problem ist nicht die Krankheit. Das Problem ist dein Glaube. On acclame la parole de nos frères et sœurs. Ça fait plus de 22 ans que je ne suis pas allé voir un médecin et c'est jusqu'à l'enlèvement. Mehr als 22 Jahre habe ich keinen Mediziner gesehen und. Quand j'ai parlé cet ange du Seigneur, ça, c'est ma foi qui est menacée. Maladie, écoute-moi. Les maladies ont les oreilles. Krankheit, hör mir zu. Krankheiten haben auch Ohren. Amen. Oh Seigneur. Il a une grande épée, le deuxième cavalier. Der zweite Reiter hat ein großes Pourquoi Schwert. L'épée? Warum das Schwert? Pour couper ta tête. Um deinen Kopf abzuschlagen. Et il faut le bouclier. Und du musst den Schild le haben. Le premier cavalier de flèche. Nous sommes en guerre. Amen. Wir sind im Krieg. Der erste hat Feuerpfeile. Nous sommes en guerre. Paulus sagt, Amen. Wir sind im Kampf. Tu es comme ça, tu es en train de prier. Tu betest. Et t'as une mauvaise pensée qui vient. Ça vient d'où? Und ein schlechter Gedanke. Tiens, ton voisin, flèche. Kommt in deinem Herzen. Das ist ein Pfeil. Tu es là en train de prier. Tu betest gerade. Une pensée d'une femme que tu as connue dans le monde. Viens. Und der Gedanke an eine Frau. Tiens, ton voisin, flèche. Flèche. Feuerpfeil. Qui commence à comprendre? Wer fängt an zu verstehen? Dis à ton voisin, c'est le premier cavalier. Sag deinem Nachbarn, es ist der erste Reiter.
Tu es là, tu veux jeûner. Du bist da, du möchtest fasten. Et une pensée te vient, tu ne peux pas jeûner. Und ein Gedanke kommt, du kannst nicht fasten. Mange. Is. Cuisine. Küche. Tu es dans un flèche. Sag dir den Nachbarn, Pfeil. Alléluia. Pour se protéger de flèches, um sich vor dem Fallen zu, il faut le bouclier pour garder son cœur, la foi, musst il faut den, le casque du salut, um dein Herz zu beschützen. Du musst den Helm des Heils tragen. Tu t'apprêtes à prier, du bereitest dich zum une Gebet. Pensée te vient, allume la télé. Und du komm, dir kommt ein Gedanke, schau mal schnell im Fernsehen. Ja, du hast ein Fleisch. Pfeil. Halleluja! Amen! Wir sind in Krieg. Wir sind im Krieg. L'épée. Das Schwert. Et le deuxième cavalier amène la guerre. Und der zweite Reiter bringt den Krieg. Le Seigneur a dit quoi dans Apocalypse, dans Genèse 3? Im 1. Mose 3. Je mettrai inimitié. Sagt der Herr, ich werde Feindschaft entre stiften. Entre le serpent. Zwischen der Schlange. C'est-à-dire le diable. Also dem Teufel. Et les enfants de Dieu. Und den Kindern Gottes. C'est pour cela que depuis que tu es converti, tu n'as que des combats. Deswegen hast du nichts als Kämpfe, seit du bekehrt bist. Das ist normal. Quand tu n'étais pas chrétien, tout le monde t'aimait. Als du kein Christ warst, liebte dich jeder. Tu n'avais pas de pensées impures. Du hattest keine unreinen Gedanken. Tu ne les connaissais pas. Du kanntest das alles. Mais depuis que tu pries, aber seit du betest, plus tu jeûnes, je mehr du, plus tu as des pensées impures. Je mehr du fastest, umso mehr unreine Gedanken kommen. Ja, umso mehr bist du Sinn. Attackiert. Es ist ein gutes Zeichen, sagt deinem Nachbarn. La guerre. Le Seigneur a dit, il y aura des guerres. Der Herr hat gesagt, es wird Kriege geben. La Première Guerre mondiale. Der Erste Weltkrieg. 65 millions de victimes, il y a eu. 65 Millionen Opfer. La Deuxième Guerre mondiale. Der Zweite. 72 millions de morts. 72 Millionen Tote. Et actuellement. Und aktuell. Il y a une troisième guerre qui fait plus de. En fait, il y a trois guerre, trois conflits majeurs qui ont causé plus de, qui ont fait plus de victimes depuis que le monde est monde. Aktuell gibt es drei Konflikte oder gab es drei Konflikte, die mehr Opfer forderten als alle anderen. Le premier. Der erste. 1914 à 1919, Première Guerre mondiale. Erster Weltkrieg 1914 bis 1919. 65 millions de morts. 65 Millionen Tote. Konflikt. Zweiter Konflikt. 39-45. Von 39 bis 45. 72 Millionen Tote. Le troisième conflit. Dritter Konflikt. C'est dans l'est de la RDC. Im Osten von Kongo. Depuis 98. Plus de 6000, plus de près de 10 millions de morts. Seit 98 mehr als. Et actuellement aux portes de l'Europe. Und an der Tür Europas. Il y a une troisième guerre mondiale qui nous menace. Ist ein dritter Weltkrieg, der uns bedroht. La Russie. Russland. La Chine. China. Les nations musulmanes et arabes d'un côté. Muslimische Nationen auf der einen Seite. Parce que la Russie soutient les nations arabes. Weil Russland steht auf der Seite von den arabischen Nationen. Et en face d'eux, und ihnen gegenüber. L'Europe. Europa. L'Ukraine. Ukraine. Les États-Unis. Vereinigte Staaten. Et Israël. Und Israel. La Bible nous dit. Und die Bibel sagt. Que c'est la guerre d'Armageddon. Là nous sommes. Das ist der Krieg au bord de la guerre d'Armageddon. Ouvrez les oreilles. Wir sind am Anfang des Armageddons. La Russie.
Russland a près de 16 000 bombes nucléaires. Hat mehr als 16.000 oder fast 16.000 Atombomben. Si la Russie utilise toutes ces bombes, la Terre explose. Wenn Russland alle diese Atombomben einsetzt, wird die Erde explodieren. C'est pour ça que les Européens vont doucement avec Poutine. Deswegen passen die Europäer sehr mit Putin auf. Les États-Unis possèdent 9000 bombes. Die Vereinigten Staaten besitzen 9000 Bomben. Vous avez vu les dégâts que la bombe d'Hiroshima a causé au Japon? Erinnert ihr euch an die Bombe von Hiroshima in Japan? Vous ne réalisez pas que nous sommes à la fin. Merkt ihr nicht, dass wir am Ende angekommen sind? La France, 300 bombes. Frankreich, 300 Bomben. L'Angleterre, 250. England, 250. La Chine, 300. China, 300. L'Inde, Indien, 60. Le Pakistan, 60. 50. Pakistan, 50. Et Israël, ils ne le disent pas, mais ils ont la bombe également. L'Iran a déjà la bombe. Iran hat schon Bomben. Vous pensez que vous allez vous cacher sur la terre? Glaubt ihr, wo glaubt ihr euch, dass ihr euch auf der Erde verstecken werdet? J'ai eu une vision pendant que je dormais. Ich hatte eine Vision, während Jésus ich est venu me voir, il m'a dit, Jesus kam zu mir zu sagen, l'Iran a la bombe nucléaire. Und er sagte zu mir, Iran hat eine Atombombe. S'il lâche une bombe, deux bombes en Allemagne, c'est grave. Wenn sie zwei Bomben auf Deutschland loslassen, ist es schlimm. Les radiations, le souffle de la bombe va tout exploser. Dieser Atomwind wird alles zum Explodieren bringen. Les radiations durent près de 100 ans. Die strahlen dann mehr als 100 Jahre an. Cancer. Krebs. Toutes sortes de cancers. Alle Arten von Krebs. Et j'ai une vision où Dieu me disait qu'il nous reste 3 minutes dans l'horloge de Dieu. Eine Vision, in der Gott mir sagte, es bleiben nur 3 Minuten auf der Erde. Et les scientifiques européens ont fait un article. Und die europäischen Wissenschaftler haben einen Artikel. Ils ont dit qu'il restait 3 minutes dans l'horloge nucléaire. Auch die Wissenschaftler haben einen Artikel geschrieben, es bleiben 3 Minuten bis zur Atombombe. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans nos églises? Und was sagt man uns in unseren Gemeinden? On n'en parle pas de ces choses. Man spricht nicht davon. Vous serez des champions. Ihr seid Champions. Voilà ce qu'on vous dit. Vous êtes la tête et non la queue, la tête et non la queue, tout ça, dans la distraction totale. Ihr seid der Schwanz, ihr seid der Kopf und nicht der Schwanz. On ne vous a pas habitué aux enseignements. Man hat euch nicht an wahre Lehren. On vous a habitué à quoi? Recevez. Ah, merci papa. Recevez. Man hat euch daran gewöhnt. Bekommt, erhaltet. Comment ça s'est passé à l'église? Non, magnifique. Wie war es in der Gemeinde? On a chanté, on a chanté, on a transpiré. Wir haben getanzt und gesungen und geschwitzt. Vous avez le terrorisme aujourd'hui? Nehmt euch mal das Beispiel des Terrorismus. Partout en Afrique. Überall in Afrika. En Europe. In Europa. Il y a une guerre civile qui se prépare en Europe, croyez-moi, une guerre civile. In Europa, ici en Allemagne. Kommt bald, in Deutschland kommt bald ein Bürgerkrieg. En France. In Frankreich. Beaucoup de nationalistes européens vont se lever prendre les armes, comme aux États-Unis. Viele Nationalisten werden zu Waffen greifen. C'est ce que Dieu me montre. Gott zeigt mir das. Il y a quelques années, Dieu m'avait dit de prophétiser sur la montée du racisme, des groupuscules, néo-nazis, tout ça là, en Europe, et on le voit. Vor einigen Jahren hat der Herr mir gezeigt, wie die Neonazis wieder zum Zug kommen. Und les man guerres sieht es heute schon. Entre les communautés. Kriege und innerhalb Gemeinden. Terrible. Das wird schlimm. Le deuxième cavalier a une épée et les hommes vont s'égorger, se tuer les uns les autres. C'est le cas. Der zweite Reiter hat ein Schwert. Pour enlever la paix. Die Leute schlagen sich gegenseitig den Kopf ab. Vous ne comprenez pas que la paix a disparu de la terre? Versteht ihr nicht, dass es keinen Frieden mehr auf der Erde gibt?
avec les problèmes du terrorisme. Mit dem Terrorismus. Les hommes sont en train de se plier les uns les autres. Spionieren sich die Leute gegenseitig. Se surveiller les uns les autres. Und beobachten sich gegenseitig. On nous transforme en de véritables policiers. Man wandelt uns um zu Polizisten. Vous n'avez pas compris ça? Versteht ihr das? On est à la fin. Wir sind am Ende. Regardez, même le Cameroun est touché par le terrorisme. Le Nigeria, le Cameroun, on ne peut pas imaginer Cameroun cela. Schau mal, Kamerun ist vom Terrorismus bedrängt. Même l'est de la RDC. Der Osten der vom Kongo. Il y a des choses que je ne pourrais pas vous dire ici. Es gibt hier Dinge, die ich euch noch nicht erzählen kann. Quand je suis allé au Gabon, j'ai vu une grande autorité là-bas. Als ich in Gabon war, habe ich eine große Autoritätsperson gesehen. Voilà ce que Dieu m'a montré sur ce qui se passe. Qui sont ceux qui sont derrière? Elle m'a dit, je le sais. Und ich habe ihm gesagt, das ist das, was Gott mir gezeigt hat, was hinter den Kulissen passiert. Er hat gesagt, das weiß ich alles. Vous avez vu la guerre en Centrafrique? Habt ihr den Krieg in Zentralafrika gesehen? Vous avez vu les guerres qu'il y a partout ici et là? C'est impressionnant, c'est impressionnant. Viele Kriege hier und dort. Il y a un journal ici, qui a été aussi menacé, non? Un journal en Allemagne ici. Es gibt auch hier in Deutschland eine Zeitung, die bedroht wurde. Comment font? Vous voyez comment ça touche partout? Partout. Das fängt überall an hier. Qui a peur? Wer hat Angst? Dis à ton voisin, notre délivrance arrive. Sag zu deinem Nachbarn, unsere Befreiung kommt. Vous avez vu la guerre entre les églises? Habt ihr den Krieg innerhalb der Gemeinden gesehen? La guerre entre les chrétiens? Den Krieg unter Christen. L'Irlande du Nord, l'Irlande du Sud, Katholiken, Protestanten. Südirland, Katholiken, Protestanten. Bien avant, la guerre de 100 ans. Der hundertjährige Krieg früher. Qui a donné la Saint-Barthélemy, tout ça. Enfin, on est à la fin, on est à la fin. Wir sind wirklich am Ende angekommen. Vous avez vu des conflits dans les familles, même dans nos familles, des guerres. Habt ihr Kriege und Konflikte innerhalb der Familien? Qui réalise cela? Bemerkt. Wer merkt das? Pendant que Jésus revient, des millions de chrétiens dorment. Während Jesus wiederkommt, schlafen viele Christen, Millionen von Christen. Parce qu'on ne leur donne pas le message du temps. Weil man gibt ihnen nicht die Lehre der Zeit. Parce qu'ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Weil sie nicht in der Gegenwart Gottes verharren. Au lieu de chercher Dieu, ils cherchent les églises. Anstatt dass sie Gott suchen, suchen sie die Gemeinden. Non, j'ai pas encore trouvé une bonne église. Tu ich habe noch keine jamais. Gute Gemeinde gefunden. Du wirst sie niemals finden. Frère Chora, tu peux me montrer une bonne église? Non, je ne connais Chora, pas. Kannst du mir eine gute Gemeinde vorschlagen? Ich kenne keine. J'ai une seule adresse. Ich habe eine einzige Adresse. Le ciel. Den Himmel. Un seul numéro de téléphone. Eine einzige Telefon. Jérémie 33:3. Jérémie 33:3. Un peu comme moi, Dieu dit. Gott sagt, ruf mich an. Je te répondrai. Ich werde dir antworten. Je t'annoncerai des grandes choses. Und ich werde dir grandes Dinge offenbaren. Des choses cachées que tu ne connais pas. Geheime Dinge, die du nicht kennst. Alléluia. Amen. Les choses cachées. Die versteckten Dinge. Ne se trouvent pas dans les écoles théologiques. Befinden sich nicht in Theologieschulen. Quitte la théologie. Verlass die Theologie. Il y a des archives au ciel qui t'attendent. Im Himmel gibt es Archive, die warten auf dich. Im Himmel gibt es Schriftrollen, die warten auf dich. Geh hin. Dieu sauve nous. Gott rette uns. Écoutez. Hört zu. Ces cavaliers,
Diese Reiter ne pouvaient pas sortir tant que les seaux n'étaient pas brisés. Konnten nicht hervorkommen, bevor nicht die Siegel gebrochen waren. Ils sont brisés depuis. Und sind schon lange gebrochen. Le troisième cavalier, la mort. Der dritte Reiter, der Tod. L'anarchie. Un monde sans loi. Eine Welt ohne Gesetz. La peste. Die Pest. Alléluia. Amen. On va finir avec le troisième cavalier. Wir mit dem dritten Reiter aufhören. Et quand il lui ouvre le troisième seau, avec le troisième seau, j'ai entendu le troisième animal qui disait, viens et vois. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Et celui qui était monté dessus, et j'ai vu, et pendant que je regardais, j'ai vu un cheval noir, et celui qui le montait avait une balance dans sa main. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Et j'ai entendu du milieu des quatre animaux une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et les trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait pas de mal au vin et à l'huile. Und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagte, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar und dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. La famine. Hungersnot. Dis à ton voisin, la famine nous menace. Die Hungersnot bedrängt uns. Je vais vous dire, vous pensez qu'en Europe on n'est pas menacé par la famine, c'est faux. Glaubt ihr, dass wir in Europa nicht von Hungersnot betroffen sind? Das ist falsch. Hier, je suivais les informations à Paris. Gestern habe ich die Nachrichten im Radio gehört in Paris. Un scientifique disait, ein Wissenschaftler sagte, près de 50% de nourriture que nous mangeons est contaminée. Ungefähr 50% der Nahrung, die wir essen, la nourriture que nous mangeons sont contaminées par des pesticides qui provoquent les cancers. Die Krebs hervorrufen. Près de 50%. Fast 50%. Beaucoup de fruits sont touchés. Viele Früchte sind davon betroffen. Les gens pensent qu'ils mangent bien aujourd'hui. Die Leute denken, wir essen gut hier. Quand on était jeunes, il n'y avait pas autant de cancers. Als wir noch jung waren, gab es nicht so viele Krebs. Il n'y avait pas autant de gens malades de diabète. Und so viele Diabetiker. Les boissons qu'on nous donne à boire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la famine. Alors il faut fabriquer avec des produits chimiques. Die ganzen chemischen Getränke, die wir zu uns nehmen, wurden maschinell hergestellt. Je regarde les chrétiens qui boivent du jus avec des produits chimiques. Je dis, mais ils comprennent même pas qu'ils sont en train de mourir, de tuer leur santé. Ich sehe Christen, die chemisch hergestellte Getränke trinken. Ich frage mich, ob die nicht wissen, dass sie sich töten. Regardez-moi, frères et sœurs, la plupart d'hommes riches, vous ne le verrez jamais faire des courses à Lidl. Die meisten reichen Leute kaufen niemals bei Lidl. Vrai ou faux? Stimmt's? Vous avez déjà croisé Bill Gates à chez Lidl là-bas? Habt ihr schon mal Bill Gates bei Lidl gesehen? Ils ont un autre circuit. Sie haben einen anderen Produkt bio. Bien comme il faut. C'est pour ça qu'ils ne meurent pas avant 50 ans, ces gens-là. Deswegen sterben sie nicht so früh. Sie kaufen Bio-Sachen ein. Alléluia! Vrai ou faux? On nous gave comme des oies. Vous savez les oies, là, les oies pour faire du foie gras. Ça, on ouvre leur gueule, là. Comment on appelle ça? Man stopft uns die Kehle voll. C'est ça, non? L'oie, avec le foie gras, là. On ouvre la bouche, là. On le gave. Man stopft uns die Kehle voll. Alléluia! Qui réalise que la nourriture aussi est contaminée? Wer weiß, dass die Nahrung angesteckt ist? Frère, c'est que la grâce de Dieu. Bruder, wir leben nur durch die Gnade Gottes. À cause de la pénurie, n'est-ce pas, de la pénurie? Eh bien, on nous donne beaucoup.
beaucoup de produits chimiques à manger, à boire. La famine, elle est là, la famine. Man gibt uns so viele chemische Getränke zu trinken, weil es Hungers noch gibt. Un poulet, un poussin qui devient mature en moins de 3 mois. Vous avez vu ça où? Kleine Küken, die in weniger als 3 Monaten erwachsen sind. Alléluia! On va chez eux, on dit, oh, c'est moins cher, c'est 3 euros poison. Wir gehen zum Aldi und kaufen billig ein und dabei sind das vergiftete Händchen. On leur donne des piqûres. Man gibt ihnen Spritzen, Hormonspritzen. On donne de la farine aux herbivores. Les animaux sont herbivores, ça mange de l'herbe. Ici, on leur donne de la farine. Vous voyez que nous sommes à la faim, la famine est là. Das, das Geflügel ist eigentlich Pflanzenfresser. Man gibt une vache qui mange la farine. Man gibt ihnen Mehl, man zum Beispiel eine Kuh, die Mehl frisst. Tiens, ton voisin, nous sommes à la faim. Wir sind am Ende. Là, il n'a pas entendu. Wir sind am Ende. Alléluia! Amen! Il y a beaucoup de choses qu'on vous cache. Hein? Man verheimlicht uns viele Dinge. Aux États-Unis, ils sont en train de se préparer pour. Ils sont en train de répertorier des insectes pour leur alimentation à cause de la famine. In den Vereinigten Staaten bereitet man Insekten auf, um sich auf die Hungersnot vorzubereiten. Dans des pays comme Haïti, les enfants mangent de l'argile. In Haiti beispielsweise essen die Kinder Tonerde. Et beaucoup. Enfin, les gouvernements, beaucoup de gouvernements se disent comment faire pour nourrir 7 milliards d'individus aujourd'hui. Und viele Regierungen stellen sich die Frage, wie kann man 7 Milliarden Menschen ernähren? Alors une des solutions, savez ce que c'est? Und eine Lösung, was le ist clonage. Die Lösung? Le clonage. Klonen machen. Le clonage. Klonen. C'est déjà le cas. Das wird schon gemacht. Qui veut partir au ciel? Wer möchte in den Himmel entrückt werden? À votre avis, pour partir au ciel, qu'est-ce qu'il faut faire? Was muss man eurer Meinung nach tun, um in den Himmel zu kommen? Il faut payer sa dîme tous les mois. Jeden Monat den Zehnten zahlen. Il faut être fidèle à l'église tous les mois. Und jeden Monat der Gemeinde treu sein. Il faut s'approcher de, d'un prophète tout le temps. Sich einem Propheten jederzeit nähern. Comment faire pour garder la foi? Was können wir tun, um den Glauben zu bewahren? Qui a du mal à garder sa foi? Wem fällt es schwer, seinen Glauben zu bewahren? Qui a du mal à rester dans la sanctification? Wem fällt es schwer, in der Heiligung zu bleiben? Okay. Alors, vous savez ce qui va se passer bientôt? Was wird bald passieren? Les Européens, les Occidentaux, les gouvernements de ce monde. Die Europäer, die Regierungen dieser Welt. Ont préparé l'humanité à recevoir l'homme impie. Haben die Menschheit vorbereitet, den Antichristen. Avec la télévision, les émissions, les films. Mann der Gesetzlosigkeit zu empfangen mit Filmen. Avec les histoires des ovnis, tout ça. Les ovnis. Mit UFO-Geschichten. Ils ont préparé so l'humanité. Sie haben die Menschheit vorbereitet. D'accord? S'il vous plaît, écoutez. Dazu. Ils se servent aussi des églises, de beaucoup d'églises. Sie bedienen sich auch der Gemeinden. Préparer les gens à recevoir l'homme impie. Um die Leute vorzubereiten, den Mann der Gesetzlosigkeit zu empfangen. Nous sommes vraiment à la fin. Wir sind wirklich am Ende. Et le Seigneur pleure.
Und der Herr weint. Parce qu'il sait bien que beaucoup de chrétiens ne vont pas partir. Weil er weiß, dass viele Christen nicht gehen werden. Beaucoup tombent. Viele fallen. Beaucoup abandonnent la foi. Viele geben den Glauben auf. Alors pour garder sa foi, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Was müssen wir ganz konkret tun, um seinen Glauben zu bewahren? Je vous dis une chose. Ich sage euch. Le Seigneur m'a fait comprendre que pour garder ma foi. Der Herr hat mich verstehen lassen, um meinen Glauben zu bewahren. J'avais intérêt à faire le ménage autour de moi d'abord. Musste ich erst einmal rund um mich herum sauber machen. Choisissez qui, avec qui traîner. Wählt euch die Leute gut aus, mit denen ihr eure Zeit verbringt. Choisissez vos amis dans la prière. Wählt die Leute gut aus, mit denen ihr betet. Ça, c'est un des points. Das ist ein Punkt. Qui traîne avec les forts devient fort. Diejenigen, die mit den Starken einen Bund eingehen, werden auch stark. Qui traîne avec ceux qui craignent Dieu va finir par craindre Dieu. Die mit denen umgehen, die Gott fürchten, wird auch Gott fürchten. Choisissez vos partenaires dans la prière. Wir sind im Krieg. Wählt euch eure Gebetspartner gut aus. Elisa hat sich Elia ausgewählt. D'accord? Parce que la communion fraternelle, on en a besoin. Wir brauchen brüderliche Gemeinschaft. Ne vous promenez pas, ne soyez pas amis avec tout le monde. Amen. Seid nicht mit jedem Freund. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Amen. Die schlechte Gesellschaft macht gute Sitten zunichte. Alléluia. Amen. Donc en choisissant son entourage, ses amis, wenn ihr also eure Freunde gut on va veiller à ce qu'on entend. Wird man darauf aufpassen, was man parce hört. Que si tu entends des choses, des mauvaises choses, ça peut tuer ta foi. Wenn du dir schlechte Dinge anhörst, kann dein Glaube getötet werden. Est-ce que tu me comprends? Verstehst du mich? Tu choisis ce que tu vas voir. Du musst gut auswählen, was du anschaust. C'est capital. Das ist ganz wichtig. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire que tu ne dois plus fréquenter n'importe quoi, n'importe qui. Du darfst nicht mehr jeden besuchen oder alles ansehen. Autre chose. Was anderes. Ça c'est la priorité principale. Il faut que tu creuses ta relation avec Dieu. Das ist die Priorität. Amen. Du musst deine Beziehung mit dem Herrn vertiefen. Vaut mieux être solitaire avec Dieu qu'être avec qu'être sans Dieu avec une foule de gens. Lieber einsam sein mit Gott. Alléluia! Als mit vielen Menschen rumhängen, die Gott nicht kennen. Beaucoup de chrétiens me disent. Viele Christen sagen mir. Frère, Bruder. Depuis que je suis seul avec Dieu. Seit ich alleine bin mit Gott. Depuis que je traîne avec deux ou trois frères qui craignent Dieu. Seit ich nur mit zwei oder drei Leuten zusammen, je sens plus Dieu que quand j'étais dans ces assemblées. Mit Gott gehen, spüre ich Gott mehr als früher in den Gemeinden. Elie disait être seul, mais Dieu lui dit non, j'ai 7000 personnes. Amen. Cherche les 7000 personnes dans mes amis. Elie dachte, er sei alleine. Und Gott offenbarte ihm, dass er noch 700 weitere hat. Les élus, il y en a en Allemagne, pas beaucoup, mais il y en a. In Deutschland gibt es Auserwählte, des vrais enfants de Dieu, aber es gibt les défenseurs de la vérité, Verteidiger des Wortes. Alléluia. Garde ta foi. Behüte dans la présence de Dieu. In der Gegenwart Gottes. Je vais vous dire une chose. Ich sage euch eine Sache. Si ces cavaliers sont lâchés, on en a parlé de trois premiers. Wenn diese drei Reiter ausgelassen werden, c'est parce que Dieu a lâché aussi ses guerriers. Dann nur deswegen, weil auch Gott seine Krieger losgelassen hat. S'il y a des prophètes de Baal, il y a aussi des gens qui ont l'esprit d'Elie. Wenn es Baal-Propheten gibt, gibt es auch Leute, die den Geist Elias in sich tragen. Donc Dieu déverse sa gloire sur sa véritable église. Gott schüttet seine Herrlichkeit auf die wahre Gemeinde aus. Ces chrétiens, ces chrétiennes, diese Christen, sont peut-être solitaires, mais ils vont marquer leur génération. On peut acclamer le Seigneur pour les chants de Dieu. Alléluia. Si hier tu as fait honte à Dieu, je prophétise qu'aujourd'hui tu ne feras plus honte. Alléluia. Si hier tu es tombé dans le péché, aujourd'hui c'est un autre temps. Nous sommes dans le temps.
dann prophezeit, où nous devons être Zeit debout pour le Mashiach. Es ist die Zeit, wo wir aufstehen für den Mashiach. Tout le monde n'est pas obligé de tomber. Es müssen nicht tout le monde n'est pas obligé de finir dans l'impunité. Alle müssen nicht in tout le monde n'est pas obligé de finir dans la cupidité. Es müssen nicht alle in nous, nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Wir sind von denen, oh, die ihren Glauben bewahren, um ihre Seelen zu retten. Une nouvelle génération. Eine neue Generation. Un nouveau peuple. Ein neues Volk. Les élus. Die Auserwählten. Qui vont se lever face à cet homme assis sur le cheval. Die aufstehen werden. Ils ont leur bouclier de la foi. Mann, der auf dem Pferd sitzt. Comment peut-on savoir que tu as la foi? Comment peut-on savoir que tu as la foi? Schild des Glaubens. C'est dans les épreuves. Woran kann man erkennen, dass c'est dans les critiques. In Kritik. C'est dans la séduction. In der Verführung. Quand Satan vient pour te séduire, tu te lèves et tu dis, moi, jamais te lève. Alléluia. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Nous vivons une époque très excitante. Wir erleben eine sehr aufrührerische Zeit. Parce que Dieu déverse la double portion. Weil Gott die doppelte Portion ausschüttet. La double portion. Die doppelte Portion. La double portion. Den doppelten Anteil. La double autorité. Die doppelte Autorität. L'autorité apostolique. Die apostolische Autorität. L'autorité prophétique. Die prophetische Autorität. Ces hommes et ces femmes, Dieu va les faire se lever. Diese Männer und Frauen werden aufstehen mit Gott. Si tu pleures, c'est parce que tu es en préparation. Wenn du weinst, dann deswegen, weil du si vorbereitet tu souffres, bist. C'est parce que Dieu te prépare. Wenn du leidest, dann deswegen, weil Gott dich vorbereitet. Il est en train de finir son œuvre dans ta vie. Er tut sein Werk in deinem Leben. Il a commencé une œuvre que lui seul va achever dans ta vie. Er hat ein Werk in deinem Leben begonnen, das nur er zu Ende bringen kann. Nous sommes dans une saison, mes amis, très excitante. Wir sind in einer sehr aufrührerischen Jahreszeit. L'apostasie est là. Der Abfall ist da. Mais il y a le réveil du blé. Aber die Auferweckung des Weizens. La semence de Dieu. Die Saat Gottes. Je veux dire à quelqu'un que tu ne mourras pas tant que l'œuvre n'est pas accomplie. Ich möchte jemandem sagen, du stirbst nicht, solange das Werk nicht vollbracht ist. Je veux dire à un frère qui se sent seul. Ich möchte que Dieu Bruder, va accomplir son projet dans ta vie. Sagen, der Herr wird sein Projekt je veux dire à une femme ici qui gémit. Ich möchte einer Frau sagen, que Dieu va accomplir son projet dans ta famille. Dein Projekt in deiner Familie zu Ende führen. Oh, Alléluia. Là où les gens disent c'est impossible, oh, l'Allemagne c'est da, dur, da, c'est Leute là sagen, que Dieu va se glorifier. Deutschland ist hart, da wird Gott sich verherrlichen. Tu vas réaliser que tu es ici en Allemagne en tant que missionnaire. Du wirst in Deutschland hier als Missionar unterwegs sein. Et en tant que missionnaire, als Missionar, tu dois apprendre à parler correctement l'allemand. Musst du gut Deutsch sprechen. Car Dieu veut toucher l'Allemagne. Denn Gott möchte Deutschland berühren. Tu dois comprendre que cette nation t'est donnée, t'est confiée au nom de Jésus. Du musst verstehen, dass diese Nation dir gehört. La sanctification doit être dans ton mode de vie. Die Heiligung muss dein Lebensstil sein. Ne te focalise pas sur la sorcellerie, ils sont vaincus les sorciers. Oh, alléluia. Waouh, waouh. Il se passe des choses ici, là. Il se passe des choses ici. L'huile coule, l'huile coule. L'huile coule ici. Je vous dis, l'huile. L'huile coule ici, regardez. L'huile coule ici, là. L'huile coule ici. Oh, magnifique. L'huile de Dieu est en train de couler en ce lieu. Magnifique. Il est. Il y a une huile fraîche, il y a une huile terrible, mes amis. Là. L'huile de Dieu, magnifique. Waouh. Des manteaux qui sont accordés aux enfants de Dieu. Des manteaux qui sont accordés aux prophétesses de Dieu. Des manteaux qui sont accordés aux prophètes de Dieu. Des manteaux qui sont accordés aux messagers. Oh, le Saint-Esprit tombe sur ses enfants. Il est en train de vous oindre comme jamais auparavant.
Magnifique. Wunderbar. Qui veut partir avec le Seigneur? Wer möchte mit dem Herrn gehen? Oh Dieu. Oh Dieu. Les signes sont là. Die Zeichen sind da. Les Juifs rentrent de plus en plus en Israël. Die Juden gehen mehr und mehr nach Israël. Ce sont les signes. Das sind die Zeichen. Ne voyez-vous pas que le Seigneur est en train de revenir? Seht ihr nicht, dass der Herr wiederkommt? Nous sommes presque à minuit. Wir sind fast mitternacht. Voici le message. Das ist die Botschaft. Jésus revient. Jesus kommt wieder. Sanctifie-toi. Heilige dich. Prépare-toi. Bereite dich à la rencontre de ton Dieu. Auf das Treffen abandonnez mit le péché, le mensonge, la sorcellerie. Hört auf mit Lüge, mit le Maître revient. Hexerei. Toi qui as pleuré, toi qui pleures, toi qui recevais des visions, des songes, du hast Visionen und Träume gehabt. Toi qui recevais des prophéties, du hast Prophetien bekommen. Tu as reçu beaucoup de visions, beaucoup de songes, du hast viele Visionen und Träume bekommen. Sur le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Über die Wiederkunft Jesus von Nazareth. Tu es venu ici, tu voulais que Dieu te parle. Il te du parle. Bist hier und du wolltest, dass Gott zu dir spricht. Il t'a exaucé, il t'a entendu. Er hat dich erhört, er hat dich gehört. C'est l'heure. Es ist die Stunde da. Le Seigneur va briser la puissance de la sorcellerie dans nos familles. Der Herr wird die Bande der Hexerei in unseren Familien brechen. Il renverse les autels de faux dieux. Und die falschen Opferaltäre für Götter. Et il établit sa vérité. Und seine Wahrheit wird aufgerichtet. Satan veut que tu repartes en arrière. Satan möchte, dass du nach hinten gehst. Mais tu es destiné au ciel. Aber du bist für den Himmel bestimmt. Voilà pourquoi Dieu te dit, femme. Deswegen sagt Gott dir, mon enfant, mein Kind. Il est l'heure que tu viennes. Es ist die Stunde da, dass du devant kommst. Mon trône. Vor meinen Thron.
une personne a un voile, a une Decke. On a mis sur toi un voile. Du bist verschleiert. Pour t'empêcher d'aller plus loin de voir. Um dich daran zu hindern, klar zu erkennen. Tu avais beaucoup de visions, beaucoup de songes. Du hattest viele Visionen und Träume. On a mis sur toi un voile. Aber bist von einem Schleier bedeckt worden. Tu as ouvert une porte par la colère. Le voile est venu. Dieu brise le voile. Du, maintenant, du, du hast eine Tür geöffnet durch den Zorn. Voici ta délivrance. Voici ta délivrance. Maintenant. Deine Befreiung ist jetzt da. Deine Befreiung. Lâche cette femme. Lass diese Frau los. Au nom de Yeshua. Im Namen Yeshua. La mort tourne autour de toi. Der Tod umgibt dich. Tu es là, tu es là. La mort tourne autour de toi. Der Tod umgibt la mort t'agresse, la mort t'attaque. Der Tod attackiert dich. Le démon de mort te quitte maintenant. Der Dämon des Todes verlässt dich. Lâche jetzt cette personne. Verlass au nom Person, de Jésus. Sors de sa vie. Verlass ihr Leben. Je veux que tu la lâches. Ich möchte, dass du sie verlässt. Lâche son corps. Verlass ihren Körper. Lâche son corps. Verlass ihren Körper. Voilà, lâche son corps. Verlass ihren Körper. Sors d'elle. Verlass sie. Sors d'elle. Verlass au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Elle te vomit, elle ne veut plus de toi. Elle n'a jamais voulu de toi. Sors-le! Oh Dieu d'Israël. Dieu de gloire. La mort, je veux que tu lâches cette personne. Tu vas la lâcher. Tu vas quitter ce corps et tu le sais. Tu wirst diesen Körper verlassen. Et tu le sais. Tu weißt es. Dieu brise ton cercueil. Ton cancer disparaît au nom de Yeshua. Dein Krebs verlässt dich. Cancer de sang. Cancer de sang. Blutkrebs. Cette douleur que tu as à la poitrine. Diese Schmerz, den du in der Brust empfindest. Au nom de Yeshua. Im Namen Yeshua. Cette douleur, ma sœur. C'est un cancer qui est en train de sortir. Donc, au nom de Yeshua. Tu la lâches. Tu la lâches. Tu la lâches. Au nom de Yeshua. Im Namen Yeshua. Tu t'en vas. Geh weg. Tu sors de moi.
Du verlässt sie. Sorte le nom de Yeshua. Verlass sie im Namen Yeshua. Je ne veux pas t'entendre. Ich möchte dich nicht hören. Du verlässt sie. Verlass sie. Verlass sie. Au nom de Yeshua. Der Herr bringt Heilung in deine Familie. Wiederherstellung. Im Namen Yeshua. Im Namen Yeshua. Oh, Halleluja. Il y a une belle onction ici, hein, mes amis. Il y a une belle salbung. Onction ici, là. Une schöne salbung. Oh, Alléluia. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Jesus. Aidez-la. Oh, Alléluia. Magnifique. Wow. C'est réglé, ma soeur Mado. Tout est réglé pour ta famille. Meine Schwester Mado, alles ist geregelt für deine Familie. Dieu t'habille en robe blanche. Dieu va t'honorer. Au nom de Yeshua. Gott wird dich ehren. Fini.